Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play de Undead Nightmare. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré. La raison principale à ça, c'est parce que j'ai été un peu, comment dire, inactif de façon générale ces derniers temps. C'est-à-dire que même de mon côté, niveau jeu vidéo, ça n'a pas été... Oh, salut beauté. Ce bel étalon noir. De mon côté, ça n'a pas été super facile de jouer de manière générale. J'ai plein de jeux que j'ai commencé récemment, j'arrive pas à y jouer. Dès que je me mets à y jouer, c'est 1 heure, 2 heures avant que ça commence à me gonfler. De manière générale, les jeux vidéo ces derniers temps, ça a été compliqué pour moi. Même pas que les jeux vidéo, ça a été, on va dire, les divertissements divers et variés. Même la lecture, regarder la télé, écouter de la musique, faire de la musique, un peu de tout. Ça m'a un peu... comment dire? J'ai pas été capable de faire grand-chose ces derniers temps, hein, et bah du coup YouTube, ça a été une de ces choses, incidentalement. En plus de ça, il y a le fait aussi, je sais pas si je l'avais évoqué, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai rien posté, le fait que j'ai plus ou moins un nouveau boulot là depuis à peu près 3 mois, et du coup je me lève à 5 h, 6 jours sur 7, tous les jours. Ce qui fait que l'après-midi, je suis toujours crevé. J'ai plus d'énergie pour enregistrer, pour jouer, pour avoir envie de faire quoi que ce soit. Surtout qu'à côté, en plus, on a un été un peu pourrave avec de la pluie sans arrêt. Je suis pas du genre à être déprimé par la pluie, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as juste plus envie, quoi. T'as juste plus envie de lutter, de. Voilà, c'était un peu de la merde. 3 mois un peu merdiques pour moi. Je sais qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui ont dû s'impatienter. Il me semble bien d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont dû en avoir marre et qui ont dû se décider à se barrer. J'ai perdu des abonnés entre-temps. Je revenais de temps en temps quand même vérifier ce qui se passait un peu. Je lisais les commentaires. Je n'y répondais pas. Simplement parce que bah, j'avais pas vraiment d'explication, pas vraiment de raison à donner, pourquoi je ne publiais plus, pourquoi je ne jouais plus, pourquoi il n'y avait plus d'activité réelle sur la chaîne. On peut résumer ça à ça, c'était un gros coup de blues, plus d'envie, plus rien du tout. Vous n'êtes pas un démonio, hein? Je vais pas dire que c'est parti, que ça y est, c'est guéri, c'est réparé, c'est pas vraiment le cas. Si j'enregistre aujourd'hui, c'est un peu en mode thérapeutique, on va dire. Parce que bon, après 3 mois à glandouiller, on a quand même un peu envie de se dire merde, fais chier. Surtout que bon, Red Dead Redemption, hein. Il y a 6 mois en arrière, je disais que ça faisait 2 ans que j'avais entamé le let's play. C'est pas la peine d'en. Non, peut-être pas 2 ans. 1 an. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter une deuxième année à ce score. Donc voilà, faut essayer de se motiver, faut essayer de lancer la télé, de lancer la console et de faire des trucs. Donc on est parti pour ça aujourd'hui, 3 mois en arrière, qu'est-ce que nous faisions dans Undead Nightmare? Eh bien, on tuait des zombies, on sauvait des villes, on rencontrait des gens un peu bizarres et on exécutait un peu leurs désirs les plus obscurs et les plus malsains. Et aujourd'hui, on va se remettre tranquillement dans le bain en partant sur la conquête d'une nouvelle ville. Et j'ai eu un message en lançant le jeu tout à l'heure. Cheval de bataille débloqué. Nul autre cheval n'est plus rapide ou plus fort que celui-ci, à l'exception des étalons sauvages les plus rares. Pistolet d'or débloqué. Pour chaque cible abattue, une arme en or vous rapporte plus de réputation qu'une arme banale. Je vous avoue que j'y comprends pas grand-chose. Le cheval de bataille, c'est donc ce cheval noir si présent. Et le pistolet en or, vous pouvez le voir dans ma main. Ouais, non, celui-là, il est pas en or. Celui-là non plus. J'en ai qu'un seul en or, visiblement. Un peu étrange. Je sais pas du tout d'où ça sort. Je sais qu'il y a eu une mise à jour du jeu là tout à l'heure quand j'ai essayé de le lancer. J'ai pas du tout regardé le patch note parce que je pense que c'était du décoratif ou des trucs comme ça. Depuis le temps que le jeu était sorti, me disais-je. Puis non, visiblement, ils ont ajouté du nouveau contenu. Donc je sais pas trop quoi en penser là dans l'immédiat. Étant donné que bah il n'y a pas d'honneur en mode. Je vais peut-être pas prendre le fusil explosif. Il n'y a pas d'honneur en mode Undead Nightmare. Donc les pistolets d'or bof. Puis le cheval de bataille, ça a l'air sympa dans l'idée. Surtout que bon, c'est un cheval qui a l'air maniable. Par contre, je suis sûr qu'il a une mortalité plutôt. Comment dire. Rapide. Enfin, courte. Une vie plutôt courte. Et qu'à côté, bah, il n'a pas de pouvoir spécial comme les chevaux de l'Apocalypse. Ce qui est un peu dommageable parce que. Ben. Non, 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 c'est bon, je. Non.
Non, 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 habla. Et puis, je vais rien vous acheter de toute façon. Et donc, à côté, on a des chevaux légendaires qui ont des effets particuliers. C'est quand même un poil plus intéressant que ce simple cheval. Je pense que c'est des chevaux qui sont destinés pour le mode solo de Red Dead... Enfin, mode solo. Pour le mode classique de Red Dead Redemption. À savoir que, bah, on verra... Je verrai moi-même de mon côté quand je m'y connecterai. Parce que, sachez quand même que, bon, en 3 mois, j'ai pas complètement rien foutu. J'ai commencé à enregistrer des petits bouts de... Des petits bouts de vidéos pour le 100% de Red Dead Redemption. J'ai pas beaucoup progressé, hein, je vous rassure. Globalement, j'ai juste pris des petits bouts de vidéos random aléatoires. Et cette vidéo, elle se présentera en gros comme une espèce de liste. Non, pas comme la liste de Schindler. Et après cette blague absolument minable, je m'en vais donc me jeter par la fenêtre. Non, donc pas une liste exhaustive, on va dire. Je sais même plus où j'en suis dans ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de surveiller un peu de tout en même temps. Une liste donc qui résumera un peu tout ce qu'il vous faut, à savoir la couverture de la map, les armes, les missions, les trucs secondaires, les services, blablabli, blablabla. Tous les petits trucs qu'il faut pour atteindre le 100%, ce qui fera un petit condensé de, je l'espère, moins de 10 minutes, dans lequel vous verrez des images de moi en train de foirer lamentablement ou de réussir vaillamment. Nous le saurons en temps voulu. Et puis, bah moi qui vous dis par-dessus, qui vous parle de ce qu'il faut faire, dans quelles conditions et où trouver quoi, ou quel besoin, voilà. Un truc genre vraiment walkthrough, genre vraiment let's play plutôt que des heures de moi qui faille lamentablement dans le jeu. Comme ça a été le cas pendant plus de près de 40 épisodes de Red Dead Redemption. Et comme ça le sera encore le cas pour quelques... Ouh, shit. Donc voilà, après 3 mois, je ne sais plus jouer, voyez-vous, ce qui semble être un peu une conséquence logique, on va dire, quand on s'absente pour une période de temps étendue, d'une activité pour laquelle on n'était déjà pas très doué en premier lieu, on se retrouve avec des situations comme ça, John Marston qui fuit les zombies de toutes ses jambes, grimpe John, grimpe John, grimpe, grimpe. Ouh, c'était un joli knockback ça. Ok, alors il y a un creeper ici, on va pas rester, je vois, les caisses, John. Ok. Je crois que la technique de se planquer sur une maison ne va pas... Ah si, c'est bon. Monte. Ouh, shit, c'est pas passé loin. Il y a un speeder là, ouais. Merde, j'arrive pas à viser. Ah. C'était pas le speeder. Il est là le speeder. Oh. Peut-être pas besoin de faire ça en fait. C'est moi ou c'est super lent? J'arrive plus à jouer en fait. C'est sûrement moi qui arrive plus à jouer. Est-ce que je peux l'avoir là? Oh, nice. Ça n'a pas headshot mais ça fait quand même son office. Et toi le creeper va te faire foutre. Enfin le speeder. Il est mort en tout cas visiblement. Oi! Vous avez jamais dit que c'était pas très poli de cracher sur les gens? Bande de vil bâtards! Je vous conchis moi monsieur. Ouh. Oh! Chasseur de l'apocalypse level 3! Sans même chercher à vouloir le faire. C'est type pas génial ça, voyons voir. Donc chasseur de l'apocalypse niveau 3 qui consistait à faire péter plusieurs zombies d'un coup à l'aide des spitters. Comme je vais pouvoir répéter l'opération ici probablement. Tuer les derniers morts vivants pour sauver la ville. J'ai pas pu voir la récompense que j'ai eue pour avoir accompli ce défi. En tout cas, niveau suivant, tuer 2 ours morts-vivants, 5 loups morts-vivants et 3 cougars morts-vivants à la torche. À la torche. À la torche. Ça promet d'être lolifun. Étant donné que les ours à la torche, ben. Ça sonne aussi intelligent à faire que. Ça l'est vraiment. C'est-à-dire pas beaucoup. Rêve, pourriture communiste. Hop là. J'arrive pas à baisser le viseur plus. C'est l'inconvénient d'être dans un third person shooter. Un TPS. Ouais, j'ai envie de m'amuser un peu. Jump. Yo. Creeper. Coup de latte dans ta tronche. Oh, bâtard. J'avoue qu'il m'a bien eu là avec sa feinte.
C'est qu'il est intelligent le petit con. Mais pas suffisamment pour éviter une balle. Et on obtient la carabine Henry. Carabine Henry qui a l'avantage... Non, c'est pas ça les carabines. Qui a l'avantage d'avoir 12 balles. On se rapproche un peu de la carabine Evans. 12 balles, ce qui nous permet d'enchaîner des morts vivants en voiture, en veux-tu en voilà, tire l'arigot. Donc, veuillez bien me pardonner cette petite interruption. Nous allons donc continuer à fouiller pour récupérer donc de l'eau bénite, des côtes de morts vivants, un jarret à l'os, un tourne-d'eau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce un rumsteak? Non, Tomahawk 0, c'est-à-dire que je suis déjà full. Oh, faudrait penser à les utiliser les Tomahawks, c'est pratique parce qu'on peut à la fois s'en servir au corps à corps pour faire un one shot. Pour peu que John veuille bien déclencher l'animation, parce que bon, c'est un peu, ça fait un peu partie de ces animations finishing qui ont un trigger un peu obscur, on va dire. Donc, les coffres maintenant, je suppose. Oui, parce que bon, j'ai quand même utilisé quelques munitions à essayer de réapprendre à jouer. Donc, autant prévoir le coup et se resservir immédiatement. Inutile de courir, comment dire, à l'épuisement de notre stock de poudre. Ce serait fort dommageable dans un monde qui consiste principalement à encribler le cadavre de nos, comment dire, semblables. Enfin, pas vraiment des semblables parce que ceux-là, ils sont quand même un peu odorants. Je sais qu'on est au Far West et qu'il n'y a pas beaucoup de douches à l'époque, mais putain, eux, ils battent des records. Hein. Je parle des zombies, bien entendu. Ok. Bon, on en a terminé avec ce patelin, on va pouvoir procéder, qu'est-ce que c'est que ça? Oh boy! Oh. Je pourrais voyager instantanément, mais ça serait pas aussi fun et puis... Ça serait dommage de passer à côté d'un cheval de l'apocalypse. De l'apocalypse. L'alpacalypse. Viens Michael, viens Michael, viens Michael, viens Michael, viens Michael. Come on. C'est parti. Billie Jean, not my love. Du calme, Michael, c'est bon, on est en enregistrement là. Putain, arrêtez de chanter deux secondes. Non, parce que quand j'enregistre pas, faut l'écouter, hein. Franchement, il devient pénible au bout d'un moment. Vous avez tous ces meilleurs titres qui repassent. Mais comment dire, c'est pas aussi bien que l'original. Ok, on arrive donc à la ville qui est sous attaque. Oups. Parler aux survivants des morts-vivants. Un jour, je vais réussir à prendre une de ces portes correctement. Alors oui, non, je suppose qu'il faut se rendre à la ville et non pas au palais, on va dire, du dictateur local. Qui d'ailleurs a dû être renversé alors qu'il est. Peut-être marche-t-il avec son peuple maintenant. Ah, c'était pas très drôle, je sais, désolé. Je fais de mon mieux, hein. On peut pas reprendre 3 mois d'absence comme ça et balancer des blagues du niveau de Desproges et tout le bordel, hein, ok? C'est bon. Merde. Est-ce que vous êtes exigeant, bordel? Tiens, mais crève, crève! Toi, t'as déjà un tomahawk. Laisse-moi t'en rajouter un autre. Ok, c'est le moment de changer de stratégie. Surtout que ça devient un peu dangereux. Allez, Michael, j'ai failli te tirer dessus, enfin. C'est pas très... Hein? Je veux pas critiquer, mais Michael, franchement, tu fais chier. Hein. Ok, plan B. On court, 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 court. Run, bitch! Run! Où est-ce que je peux trouver un toit très accueillant? Non, non, pas dans la maison, ça c'est la pire idée que t'as eu de la journée, John. John! J'ai plus de dead eye. C'est pas grave, j'en ai un nouveau. Non, arrêtez monsieur le zombie. Sors ta tête du sol, bordel, t'es pas une autruche. Hein. Toi non plus. Ok. Ça, vous voyez, c'est moi qui joue. Hein? Non, c'est authentique, hein. Franchement, on peut pas s'y tromper. Ce serait quelqu'un d'autre, ça serait à peu près regardable.
Sans quelqu'un d'autre, il gâcherait pas 150 cartouches de fusil à pompe sur le même zombie. Presque envie de dynamiter le tout. Oh, mauvaise idée. Non, 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 pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau. Allez, c'est le moment de faire une petite brochette. Profitons de la carabine Henry. Ah, shit. Tant pis pour la brochette. Il y en a un qui ne mourra pas, a priori. Tireur de l'apocalypse niveau 4. Oh, putain, encore un succès accompli sans le chercher, sans chercher à le faire. Alors, tu es 5 morts vivants au fusil de précision en 8 secondes sans utiliser le sang-froid. Ça aussi, ça va être drôle à faire. Ok, bon. En fait, j'essaye d'avoir sa tête à cette distance. C'est pas évident, surtout à la manette. Vas-y, recharge, John. Recharge, John. Recharge. Pas trop vite, pas trop vite. Bim. Je crois qu'il y a un zombie pas loin. En fait, j'aime bien surveiller mes arrières parce que... Bah, quand vous regardez pas, généralement, c'est là qu'il y a quelqu'un. Typiquement, hein. Ouais. Oh non, j'ai eu Michael. Bon, j'ai cherché la merde pour le coup, je dois avouer. C'était un peu de ma faute. Un peu, hein, Michael. Je t'ai dit 100 fois de ne pas rester sur le champ de bataille quand je mitraille dans tous les sens. Enfin, c'est contre tout bon sens commun. Jolie explosion là de Spitter. C'était sympathique. Et encore une qui n'a pas fait d'autres victimes. Ok, ça manque un peu d'action là. Retour aux pompes. On va retourner un peu distribuer notre pitance. J'ai fait péter une torche, enfin une espèce de lanterne. Je suppose que c'est fait pour allumer le feu. Pourquoi j'arrive pas à headshot? C'est parce que je trouve loin. T'es morte? Est-ce que t'es morte, bitch? Visiblement oui. Je crois que j'entends un creeper, enfin un crawler, enfin un truc. Ah, il est pas mort. Bon, attendez. Non, pas le tromblon. Trop extrême, trop extrême, beaucoup trop extrême. Toi, je crois qu'il te manque un détail. Genre ta tête. Elle est où ta tête? C'est quoi ce bordel? Putain, il est possédé. C'est un zombie possédé. Retourne en enfer, saloperie. Putain, c'était chaud quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que veut? Hé, hey, je crois que le jeu perd la tête. LOL. Qu'est-ce que vous avez tous à être des cavaliers sans tête là? C'est la mode? La nouvelle trend? Non, franchement, ça devient vraiment ridicule là. Pourquoi vous n'avez plus de tête? Et pourquoi du coup je peux pas vous headshot? Enfin, j'ai l'impression que je peux pas les headshot. C'est. Mais que... je peux plus headshot. Je peux plus headshot. Tu permets? Je peux plus faire péter leur tête. C'est quoi ce délire? Permets-moi. C'est intéressant. Je crois que le jeu est en train de mourir. Je suis pas sûr, mais je crois que le jeu est en train de mourir. Ah oui, il est à l'agonie là, il est vraiment vraiment au bord du désespoir. C'est moi où le compteur ne monte plus.
êtes encore en vie. Alors je sais pas ce qui se passe, le compteur est bloqué, il arrive plus à... Bah les zombies tués ne comptent plus. Et des zombies manquent leur tête, je sais pas, c'est... Ah, elle est grave, John. Voilà. Je vais aller parler aux survivants, peut-être qu'on peut faire passer le machin, peut-être qu'on peut débloquer le jeu en donnant des munitions. Tiens, 5 munitions de revolver, c'est pas cher payé. Voilà, c'est bon. On a réussi à débugger le truc, c'était un peu bizarre pendant un instant. Les zombies tués ne comptaient plus et ils ont plus de tête, toujours plus de... T'es un zombie ou t'es un... Mais pourquoi t'es en rouge si t'es pas un zombie? Mais t'es un zombie ou t'es... Mais vous êtes des... Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que vous faites? Le jeu... Je crois que le jeu est possédé. Je crois que le jeu est possédé par le diable. Et il va bientôt procéder à dévorer mon âme et ma chair. Le tout sur un rituel païen incluant, brûler des effigies, sacrifier des petits animaux. Les plus mignons possibles, de préférence. Ok, continuons comme... Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si c'est des démons ou des humains, c'est d'utiliser de l'eau bénite. Ça, s'il y a bien un truc que j'ai appris des Winchester, c'est ça. Mais c'est des zombies. C'est des zombies avec des flingues, mais sans tête. Alors ça doit être un des trucs les plus étranges qui me soit arrivé dans une partie de Red Dead. Et on récupère le fusil à bison. Ça c'est sympa par contre. J'apprécie beaucoup. Alors ça c'était vraiment mais... Je sais pas comment l'expliquer. Si quelqu'un pouvait jouer une musique de X-Files, j'apprécierais beaucoup. Mais je trouve que c'est plutôt... approprié pour un retour aux affaires. Je vais pas m'emmerder à récupérer tous les coffres, par contre je vais m'amuser un peu à looter parce que j'ai besoin de munitions pour le tromblon, ça va servir. Ah non mais j'y ai pas pensé, c'est peut-être des raiders. Ah mais non parce que du coup les autres sur le toit se sont mis à me tirer dessus quand j'ai commencé à tuer l'autre. Enfin quand j'ai tué le pote, leur pote avec de l'eau bénite. D'ailleurs ça c'était étrange parce que il semble pas que l'eau bénite fonctionne sur les humains en temps normal dans ce jeu. Faudrait que je teste mais ça veut dire que c'est peut-être pas de l'eau bénite au final, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus... corrosif. Enfin, après, ça dépend de pour qui on parle. Donc, on va faire une petite mission parce que c'est bien beau de faire. De sauver des villes et tout ça, mais. Au bout d'un moment, faut quand même qu'on avance un peu l'histoire et puis. D'un autre côté aussi, il faut que le jeu me donne des trucs à faire parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on ne débloque que en faisant progresser l'histoire. Et puis, j'ai très soif aussi, j'aimerais bien boire une petite gorgée de thé et. À force de parler. Il refroidit, je peux pas le boire quoi. C'est dur de boire et de parler en même temps. J'ai essayé une fois, ça faisait un truc un peu genre. Attendez, je vais essayer. Oh putain, j'en ai foutu de partout. Voilà, donc pour vous faire une idée, quelque chose comme ça. Des hordes de morts vivants. J'ai du thé sur le nez. Votre argument est invalide. Laissez-moi jouer. Je ne retournerai pas défendre ce camp à la con. Mr. Ricketts. Hello, sir. How have you been? As you imagine. Good. Did you get the dynamite? Yes. And the bait. Let's see. Here, let's work with that for a second. Simple mais efficace. This calls for a soft touch.
Not the brutish hands of a man of war, but the delicate touch of an artist. Some use oils, and some a chisel and a block of marble. For me, sir, it was always either high explosives or the trigger of a fine iron. But it's much the same. Sometimes your humility overwhelms me, Ricky. You and me both, Mr. Marston. Now, if you'd have seen me when I was a young man, if you'd have seen me when I was so fast, you couldn't see me. Well, then you'd know this is humility. The truth is, well, the truth is long dead. Now we got only memories. Memories and a great swath of demonic mutants, of course. Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me. And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait. I mean, the demonic hordes, not your own unending glory. Oh, that? Nothing too interesting. Someone said that there's some really big problems near Escalera. But I can't concern myself too much with that. This is my home now. This, and this up here. Take care of yourself. I will. I don't think getting savaged by some brainless corpse would do too much justice to your myth. Yeah, I think you're teasing me, Mr. Marston. But I thank you. And I appreciate your concern nonetheless. Mais non, on n'est pas dans Walking Dead, les gens utiles ne meurent pas inutilement. N'est-ce pas? Parce que jusque-là, dans Undead Nightmare, ça a été plutôt genre les gros losers. Enfin, kidnappage explosif. Du coup, si on mélange savamment, si on fait une alchimie extrêmement complexe à base d'appât et de dynamite, et ben on a un appât avec de la dynamite. L'appât explosif a le même effet que l'appât normal, sauf qu'il explose au bout de quelques secondes. Oui, oui, c'est un peu une pipe, comme une pipe bombe de... Ah. Un peu comme une pipe bombe dans Left 4 Dead. Exactement le même principe. Après, voir si ça va être très efficace. En tout cas, on peut maintenant se diriger à Escalera. Visiblement... Ah non, ça c'est la nonne. On peut retourner voir la nonne. Et puis... voir où ça nous emmène de là. Je crois qu'on va faire ça, ouais. On va poursuivre tranquille. La Sermanas, on va faire un voyage rapide. Quoique, non. Bien que j'ai massacré mon cheval plus tôt. Je crois qu'il est toujours là d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe, j'ai repris un cheval entre temps, mais. Non, c'est un cheval mort-vivant, ça. Donc il va être chiant à diriger. Ouais, bon, ça me prendra à tuer mes montures aussi. Enfin, direction Escalera donc, en espérant tomber en chemin sur un cheval mythique. Ce qui me faciliterait pas mal la tâche. Surtout que les deux derniers qui nous restent à trouver sont bien sympas. On a eu les deux pires, je crois, pour l'instant. Oh, quoique non, guerre, c'est pas le pire. Non, non, je crois qu'on en a eu qu'un seul des deux pires. Enfin, après, je dis pire, c'est pas vraiment des mauvais chevaux, hein. C'est juste que leurs pouvoirs sont moins awesome que celui des autres. Bon, jusque-là, apparemment, rien à signaler. Je crois pas qu'il y ait de moyen de réellement provoquer l'apparition des chevaux. C'est plus ou moins aléatoire selon la zone. Je crois qu'il y a un cheval par zone plus ou moins du jeu. Nope. Pas le temps. Désolé. Je serai gentil quand ça rapportera quelque chose. En dehors de quelques balles de pistolet. Oui parce que non. Je veux bien dépenser des balles de pistolet pour avoir des balles de pistolet. Mais au bout d'un moment ça n'a plus aucun intérêt. Je sais pas si ça rapporte. Pour Undead Nightmare, je sais pas comment ça fonctionne le 100% s'il y en a un, à vrai dire, pour être honnête. Et vu comme sont parties les choses, je peux vraiment pas vous garantir que je vais faire Undead Nightmare à 100%. Principalement parce que vu la galère que ça a été de finir Red Dead Redemption, ou bien que Red Dead Redemption soit beaucoup plus gros, beaucoup plus long, je commence à être un peu froid avec ce jeu en termes de let's play. J'aime beaucoup toujours ce jeu, hein, sinon j'y jouerai plus. Mais continuer à faire des vidéos de... Putain, mais sans déconner, quoi. Jeu, hein. Tu me rajoutes des pistolets en or et des chevaux mythiques, mais par contre, pour les têtes, non, ça va plus, là.
En plus, on voit à travers. C'est dégueulasse. Oh. Non, mais tu permets. Ok, bon. Tant pis. Laissons donc ces gentlemen qui ont perdu la tête. Espérons que la nonne, au moins, en aura un petit peu plus. Ay, que bueno. Señor Marston, how wonderful to see you alive. I think I've cleared Sepulcro. You're a brave servant of righteousness. I've been called many things in my time, but never that. Who is that girl, by the way? She? I don't know. She said she was in a holy order in Escalera. I'm sure I keep seeing her. Or someone like her. Maybe. But it is a common enough look. Seemed like a nice girl. She told me something interesting. What's that? She blamed this terrible curse on our soon-to-be president, Abraham Reyes. Perhaps you have heard of him. Heard of him? I know him well. I hope that vain, ambitious, and repugnant parasite is no friend of yours. Not exactly. I didn't think he was that bad. And who am I to judge? Forgive me. I have just heard many unpleasant stories and met too many pregnant and abandoned girls. Of course. But what has he done? She claimed he had angered an ancient goddess, disturbed a crypt and a temple in her honor. I mean, as I say it, it sounds like heresy, like the idiotic delusions of a cursed people. But in a land such as this, I have learned to be less dogmatic than maybe I have been instructed. I am sure it is just folly. Perhaps. Well, maybe it's time I go pay El President a visit anyway. I shall pray for you. Someone certainly needs to. Goodbye, Mother Superior. Vaya con Dios, mijo. Reyes, donc, si vous vous souvenez, c'était l'espèce de faux poète, dragueur, wannabe... comment dire, wannabe le Che. La mère... Ah, c'était... as a coroner's ear.
Ah, je pars dans la mauvaise direction. J'en étais sûr. À chaque fois, ça me le fait. C'est rare qu'on ait des chansons comme ça dans le jeu, c'est pour ça que j'ai fermé ma gueule pendant 5 minutes, mais malheureusement j'étais voué à échouer en chemin et, comment dire, à prendre la mauvaise direction. Par contre, je sens que ça veut dire qu'on approche de la dernière mission du jeu, parce que généralement quand le jeu vous met une musique épique et tout tralala et que vous chevauchez dans les plaines sauvages sur votre Michael domestique, et ben, ça veut dire que généralement il y a un gros truc qui s'approche. Et bah pour moi ça veut dire qu'une chose, ça veut dire la prochaine fois, on se reverra. Je vais aller sauvegarder déjà, m'assurer que tout aille bien, parce que vu que le jeu était un peu en train de partir en couille avec des gens sans tête et des trucs un peu chelous dans le genre, par contre j'ai pas envie de déclencher la mission en m'approchant, donc si je pouvais trouver le lit... Ah mais non je peux pas, parce que je suis en mission, c'est ça. Je peux pas aller sauvegarder parce que je suis en pleine mission, là je suis considéré en mission. Et ouais, donc on va être obligé de finir le jeu maintenant, hein, comme la dernière fois. Bon bah c'est parti, hein, on va aller finir le jeu. En tout cas je crois, ou en tout cas on va finir cette mission, hein, et voir où ça nous mène. Yoink. Un homme civilisé. Ça doit être moi ça. Senora, donde es Abraham Reyes? Magnifique accent, Marston. Reyes! Je vois que ça n'a pas changé ici. Toujours à courir après les filles. Stop that now, Abraham. Come on, stop that. Banish him. Il n'a pas de tête. Pourquoi Abraham Reyes n'a pas de tête? Putain. Bordel. He always did have a way with the ladies. Oh. It's okay. He's dead. Thank you, Senor. You'll be okay. I'm glad you think so. But I fear I won't. None of us will. We are all doomed. Because of him. Him? He wasn't a great guy, but I'm afraid you're giving him a little too much credit, my dear. Haven't I seen you before? No. He caused this with his greed and his lust for power. He heard an ancient myth and tested it. It caused all of these terrible things. His vanity overwhelmed us all. What the hell are you talking about? Where have I seen you? Me? Oh, I have a common enough face. I'm from here. He disturbed the royal burial grounds that lie underneath the town. He heard there was a mask hidden there that would make him invincible. I've heard this blamed on Mexicans, Jewish people, freed slaves, the federal government, immigrants, the bad weather. Now this. What's wrong with people? It's true. Look in that chest. He has a sacred mask. That is where this plague came from. Him. And his awful lust for power.
Mais c'est laid. Mais c'est absolument affreux. Quelle terrible faute de goût. Where did you say the crypt was? Near the bullfighting ring, behind the via. Well, I guess it's worth a shot. Return the mask to the altar and end all this. T'as l'intention de me suivre? It's too dangerous. You need me. You need me. I sure hope you're right. Par contre, j'aimerais beaucoup que les zombies aient des têtes. Ça m'aiderait beaucoup pour leur tirer dans la tête. J'hésite à recharger le jeu, mais vu que j'ai pas sauvegardé, bah... Ah, shit. C'est difficile, hein. Bon, on va y aller comme ça, hein. On va dire que c'est un mode de difficulté hardcore pour les vrais, les true gamers, hein. Un jeu où on est censé tirer dans la tête, mais les têtes ne sont pas visibles. Bon, apparemment c'est plutôt clean. Il y a un peu de zombies là en bas. On va essayer de dédaille tout ce truc là. Ça semble pas vraiment évident, mais... C'est-à-dire que c'est une vache zombie. Oh, intéressant. Oula, il est rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que t'en sais? Toi t'en sais un peu trop à mon avis. Tu serais pas l'incarnation de cette fameuse déesse? Non, sérieusement, no spoil, parce que du coup, j'ai fait le jeu il y a tellement longtemps que je me souvenais même plus vraiment de l'histoire. Est-ce qu'on est censé jouer au rodéo avec lui? Oh shit, non, 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 non! Est-ce que je peux le kidnapper? Non, ouch! Attention, je sens qu'il va me one-shot. Je sens qu'il va moins de shot. Allez! Charge! Charge, bâtard! Olé! Avec quoi on peut jouer? Non. Non, non, pas avec la dynamite. De préférence. Yo! Non, pas la torche non plus. Là c'est pas passé loin. Bon, moi j'ai que la torche, hein. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Viens te battre. Toi au moins t'as une tête, hein. Tu me plais. Allez viens. M'oblige pas à chercher un jeu de mots sur vache zombie pour trouver un truc. Elle a l'air hésitante. Elle n'a pas l'air d'avoir confiance. Mais qu'est-ce que tu viens dans l'arène? Tu vas mourir si tu fais ça. Tu bugs un peu là. Un tout petit peu. Mais vraiment juste un tout petit peu, madame la vache. Je crois que je l'ai eu. Elle a pris feu. La vache zombie est en feu. C'est terrible. Plot twist. Elle va finir par crever à ce rythme. Je crois que le feu ne s'éteint jamais d'ailleurs sur les ennemis. En tout cas, pas avant la mort. Ou alors, elle est immourable. Ah, je l'ai eu. T'en veux encore? Tiens la bâtarde. Mais arrête de... C'est ridicule quand tu cours comme ça, franchement. Merde. Bon, allez. Autant abréger ses souffrances à la pauvre. Et autant ne pas laisser de traces dans le procédé. Ouf! Non, c'est ça que je veux. Non, ça que je veux. Hey, c'est tout? Oh, c'est
Déception. Je m'attendais à une explosion. Ah non, il aurait peut-être fallu que j'utilise le tromblon pour ça. Ma faute, ma faute, ma faute. D'ailleurs, le tromblon, puisqu'on en parle. 7 balles. Peut-être en profiter pour faire un peu. Ouais, je suis désolé, je fais le con là. J'en profite un peu que je joue pour une fois. Que j'enregistre pour une fois. Un peu pour faire des conneries, pour tester des trucs. Waouh, 10 balles de tromblon. Nice. Je savais pas qu'on peut. Never go into dark places with strangers. Never have been built above a sacred place. T'as pas de sous-titres, personne ne te comprend. Enfin, moi, je comprends. Mais... catastrophes occur when you men try to play God. Ta gueule, j'ai rien fait, moi. Je suis juste un père de famille, ok. J'étais tranquille avec ma femme et mon fils quand tout à coup ils ont eu faim. Très faim. Ils ont commencé à se gratter. Ouais. Un endroit clos, je vais plutôt switcher sur le fusil à canoncier. Ouais, canoncier. Gardons le canoncier. Et avançons prudemment. Alors, j'espère que c'est pas sur la vidéo, mais moi, il y a des grosses barres rouges dégueulasses qui arrêtent pas de traverser l'écran en permanence. C'est probablement un faux contact dans un des câbles. En tout cas, j'espère que ça se voit pas à l'écran. J'ose espérer. Ok. J'ai vraiment l'impression d'être Terminator avec mon fusil à canoncier à avancer lentement. Ça va, y'a rien qui spawn derrière nous. Ah, lui il avait une tête. Un zombie avec une tête. OMG. Ouais, lui aussi il avait une tête visiblement, mais... elle n'a existé que l'espace d'un court instant. C'est... ok, c'est le fusil à bison que je suis en train d'utiliser là. C'est un peu débile. Le fusil à bison, c'est cool, mais ça va pas beaucoup servir. Ça va surtout servir à affaiblir les ours avant de les finir à la torche. On va avancer. La map, qu'est-ce qu'elle dit? Y a un truc ici? Propriété de nouveau paresseau. Il y a une carabine. Fusil semi-automatique. Yeah, bitch. Maintenant, on peut parler. J'ai bien fait d'aller vérifier ce... oui, tais-toi. Je sais que t'es le propriétaire du masque et que tu veux absolument que je le ramène. Ferme-la 5 minutes, laisse-moi avancer. On va sortir la torche pour se croire un peu, pour se la jouer un peu Indiana Jones. Non, allez. Je préfère avoir un fusil à pompe, c'est quand même plus rassurant qu'une torche. Oh, pas évident de pas voir les têtes. Pas grave. Le fusil est bien assez puissant comme ça. Est-ce que t'es mort? Non, il est pas mort, c'est ça le problème, je vois pas sa putain de tête. C'est bizarre ce bug quand même. Tête disparue comme ça. Vas-y, charge, connard. Ok, continuons d'avancer. Ok. J'espère qu'ils sont vraiment morts, hein, parce que franchement j'en ai... tu as une tête, tu as une tête, tu as une tête. C'est bien, félicitations. Félicitations. Par contre elle a pas explosé, ça me plaît pas du tout. Non mais il est mort. Oh fuck. Des spitters. Tu peux te taire.
Hein, ton histoire, elle peut parler si tu veux, mais toi, ferme-la. 5 minutes, please. Please, tais-toi. J'ai l'impression que les spitters n'explosent plus non plus. Ça, c'est vraiment le summum du bizarre. Le jeu est vraiment buggé jusque dans son code, quoi. Les spitters n'explosent plus, les têtes n'explosent plus. Ou alors c'est fait exprès parce qu'on est dans un endroit serré, ils veulent pas faire des explosions de spitter gratos qui ferait une espèce de stun lock au sol et dans lequel John Marston se prendrait de la build de zombies plus rapidement qu'une japonaise dans un bukkake. Et mourir ainsi des suites d'un trauma lié à l'acidité de l'estomac des zombies. Oh putain, mais ta mère toi. T'as une tête mais elle est bizarre. Hein. Je suis presque sûr qu'elle va pas exploser en plus. Jack was. Who the hell are you? Sometimes we must remember in order to forget. You cannot stop now. T'étais pas obligé de me prendre pour un teubé ou pour je ne sais quoi, hein, c'est bon. J'ai déjà vu des trucs bien bizarres là aujourd'hui, c'est pas la peine de te la jouer mystérieuse, genre je ne peux pas te révéler ma véritable identité. On sait tous qui tu es. Le problème c'est que je sais pas s'ils sont morts. C'est le problème. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. What the fuck? What the absolute shit? Mort? Visiblement. La musique me rappelle un peu Resident Evil. Fusil à pompe, je kiffe. Non, c'est quoi ça? C'était le fusil explosif. Ah merde! Ok, ça ira pour le moment. Hey, what the? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, alors ta tête invisible c'est sympa, mais ça veut pas dire que la hitbox elle est intouchable. Hein. Just saying! Retour. Voilà. C'est ça que je cherchais. On va tâcher d'avancer un peu quand même, parce que bon, c'est bien beau de faire le con et tout ça, de se plaindre, de jacasser et tout. Mais... comme l'impression ainsi ça commence. Toujours pas de tête à signaler. Toujours pas d'explosion de spitter non plus. Hey, wow. Toi, tu vas te calmer de les tétons déjà tout de suite. Shit. Ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Bien malgré moi. Oh, shit. Ouh. Ouais, c'est bon, stop. Alors je vous préviens tout de suite, je vais pas supporter vos conneries bien longtemps, hein. Yoink. Ouh, on va souffler un peu. Ça explose. Voilà. Ils ne sont pas morts. N'est-ce pas? Ils ne sont pas morts, ils se sont pris une explosion de dynamite en pleine tronche, ils ne sont pas morts. Le jeu part en couille. Officiellement.
C'est bien, c'est une espèce de difficulté supplémentaire, une espèce de difficulté cachée, on va dire. Je sais pas c'est quoi le gain, mais c'est pas très gratifiant non plus. Ah, ta gueule de seconde, toi. Oh, ouf. Y'a du monde, hein, quand même, hein. Là. Je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Hey, what the freak? On n'a pas eu en plus. De mieux en mieux. Je suis assez d'accord. Oh, je voulais lui tirer dessus. Are you sure? Of course I'm sure. How do you know? My name is Io Teotl. Une déesse à un cas, quelque chose de ce goût-là, je suppose. C'est ce qui explique le masque en jade. Enfin, moi je dis ça en même temps, je suis peut-être en train de dire juste une grosse connerie et c'est tout quoi. Et elle a disparu. A horse is waiting for you. You should return home. There you are. Well, whenever trouble starts, I can pretty much guarantee you'll ride off into the sunset. You feeling better? Yes. I mean, once that boy stopped trying to bite me, everything felt much better. I'm starving, though. Jack? Me? Well, I only felt better once that mad look left your eye. Please, Dad, don't leave me here alone with that woman again. Excuse me? I'll try not to, son. I've heard that before. Well, let me fix us something to eat. Please don't. We've had enough dramatics for one day. Quelques mois plus tard. Ah, Seth MacFarlane encore, c'est lui. Oh, non, je confonds. John Marston, donc décédé dans... Pas tant que ça, en fait. Ah, putain, j'ai la gueule de bois. Et c'est ainsi que se termine Red Dead Redemption Undead Nightmare, en paix avec le monde. Alors, nous sommes donc maintenant au contrôle de John Marston zombifié, avec son bras gauche qui part un peu genre... Marston fut enterré par sa femme et son fils avec une fiole d'eau à laquelle il semblait tenir. Il ne connaissait pas le pouvoir qu'elle contenait, son âme est maintenant de retour sur cette terre dans le corps d'un mort-vivant.
eu le temps de lire, merci. Oh. Son âme est maintenant de retour sur cette terre dans le corps d'un mort vivant. Aidez-le à retrouver le repos en accomplissant sa tâche. Et aussi, vous avez dressé un cheval de l'apocalypse mort. Mort, qui donc j'avais oublié, devient disponible. Une fois que Marston... enfin, une fois que le jeu est terminé, mort peut tuer les ennemis en les écrasant. Et ouais, et ça c'est quand même vachement cool. Vas-y, continue. C'est tout. Et en théorie, dans notre inventaire, nous avons le pacte de sang mort, et aussi le pacte de sang, le pacte du cheval de bataille, plus rapide et plus robuste que les chevaux normaux. Intéressant. Donc je pense qu'il est disponible aussi dans Red Dead Redemption, on verra ça en temps voulu. Donc on conserve bien entendu tout notre équipement. En plus de toutes nos possessions, c'est-à-dire qu'ils m'ont enterré avec des plantes, des bouts d'animaux divers et variés, genre un œil de cougar. Non, il a pas du tout pourri en quelques mois. Non, absolument pas. Le cœur de loup non plus, hein, il est frais comme un gardon. Non, ça se dit pas pour les organes, je crois. Bref, à côté, donc le pacte de sang de mort qui nous permet de l'invoquer à volonté. Et les autres pactes de sang vont s'obtenir une fois que nous aurons accompli le reste des défis. Qui d'ailleurs, les chevaux de l'apocalypse se trouvent maintenant au niveau 4. Il ne nous reste plus qu'un cheval à trouver. Ainsi que ces défis-là. Et le chasseur de trésors que je n'ai pas encore commencé d'ailleurs, c'est assez étrange. J'ai dû passer à côté d'un camp de survivants qui détenait cette carte. Les cauchemars d'outre-tombe. Ok, je ne sais pas si la quête peut se continuer à partir de là. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, il nous reste plein de choses à faire dans le jeu, donc je pense que je vais m'atteler un peu à ça. Comme je vous l'ai dit, je vous promets pas le 100% dans l'immédiat, je vais voir un peu comment les choses se passent pour moi, si j'arrive à reprendre un peu un rythme régulier et constant. Et ouais, parce que oui, il y a bien en effet, on est déjà à 64% d'ailleurs. C'est assez rapide, donc peut-être, éventuellement, je vais considérer l'option. En tout cas, on va aller sauvegarder maintenant. Ça fait quand même, je pense, une bonne heure et demie que j'enregistre facilement. Et bien entendu, les répliques de John Marston ont été remplacées par une espèce de gargouillis incompréhensible de mort. Enfin, de mort vivant, quoi. C'est très cocasse. J'aime bien comme il a ouvert la porte, genre en fonçant dedans, genre... Ok, sauvegardons. On peut changer de tenue, hein, il faut quand même le préciser. J'espère quand même que ces glitchs de tête absente, ça va pas ruiner les sauvegardes. En tout cas, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous retrouverai la prochaine fois dans ce Let's Play de Undead Nightmare. Bye!